Bonjour Gémeaux, Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que toute la folie du monde environnant ne vous touche pas trop. Ça, je vous le souhaite de tout mon cœur. On va aller voir, on va faire un tirage professionnel, personnel, amoureux. On va faire 10 cartes, ce qui avance vers moi, ce que je dois comprendre, ce que je dois faire. On va aller voir, Gémeaux, les messages pour vous pour ce mois de novembre. Comment peut-on vous accompagner au mieux ? Allons voir. On a dit, il faut peut-être que je monte les cartes si vous voulez les voir. Professionnel, personnel, et amoureux. Allons voir, allons voir, allons voir. Le 7 d'épée, tiens. Où vous en êtes? Il y a vraiment une idée de... Oh, dis donc, c'est étrange comme mot. Unilatéralité. Je ne sais même pas si ça existe. C'est... Alors, je vous explique ce mot qui peut-être n'existe pas dans mon esprit. Voilà ce que ça voulait dire. L'idée de penser par soi-même, pour soi-même, et vraiment d'être dans une espèce de voie à sens unique. Avec ce 7 d'épée, vous voyez, traditionnellement, c'est ça. Il part avec toutes ses épées sous le bras sans se demander de qui, de quoi, de comment. Est-ce que quelqu'un d'autre aura besoin de ses épées? Est-ce que lui, ça lui importe peu? Ce qui lui importe, c'est d'arriver à son objectif, d'avancer jusqu'à son objectif. Et c'est un peu tant pis pour le reste du monde. Mais il y a parfois des fois où il faut agir en son âme et conscience pour soi-même. Et c'est avec cet esprit-là que vous rentrez dans le mois de novembre. Il y a une idée de taire des secrets aussi. Il y a une idée de communiquer uniquement sur ce qu'on veut communiquer. C'est-à-dire qu'on ne ment pas, mais il y a une idée de le silence est d'or. Et ce qu'on ne, si on ne me pose pas la question, alors je n'ai pas forcément à mentir. Mensonge par omission, entre guillemets. On n'a pas forcément envie de tout dire, de tout dévoiler, de nos envies, de nos agissements. Et c'est parce qu'on a un objectif précis. On va aller voir. Alors, professionnel. Le soleil, je ne sais pas pourquoi je les ai avancés dans ce sens-là. Vous voyez, on a le roi d'épée, c'est sûr. Hein, y a des idées de décision, de vraiment trancher, de gérer le... le roi d'épée, c'est un patron en général, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de trancher, c'est quelqu'un qui a la clarté d'esprit, l'obligation, alors j'allais dire d'être juste, même si vous avez tous, je l'imagine, rencontré des personnes qui en business n'étaient pas toujours très justes. Là, celui-ci, ce roi d'épée, en tout cas dans le tarot, c'est quelqu'un... pour qui, je vais presque dire, l'intégrité est une des valeurs principales. Et on a là, étrangement, cette reine de deniers à l'envers et le soleil à l'envers. Il y a une idée de ne pas, alors, de ne pas trop en faire professionnellement. J'ai presque envie de dire qu'il y a une possibilité de monter en grade si vous ne vous montrez pas trop, c'est bizarre hein, mais c'est ça, sous un angle trop brillant. Le soleil à l'envers, ne pas forcément se mettre sur le devant de la scène. Et cette reine de denier, je dis, elle en fait parfois trop à l'envers, parce que à l'endroit c'est déjà quelqu'un qui aime rendre service, qui aime bosser, qui aime travailler, qui aime produire du résultat. C'est quelqu'un qui est très fier de ses capacités, de son niveau, de ce qu'elle amène à l'entreprise, même si elle peut être très discrète. C'est pas ça le souci, c'est qu'elle est là et qu'elle fait vraiment bien son boulot. À l'envers, j'ai le sentiment qu'elle peut parfois en faire trop. Et là, avec ce...
dans l'idée de ce que vous devez comprendre avec cette reine de deniers à l'envers, c'est que ça sert à rien. Voilà, je crois que c'est ça. Parce que ce qui s'avance vers vous avec ce roi d'épée, le roi d'épée, il voit les efforts que vous fournissez, même si c'est quelqu'un qui est très détaché, qui n'est pas forcément dans la communication émotive, non, émotionnelle encore moins. C'est quelqu'un qui a l'œil ouvert et qui voit les choses. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous crever à la tâche. Faites ce que vous savez faire traditionnellement sans vouloir mettre au-dessus, j'allais dire, de l'extra travail ou vraiment une envie de briller. Parce que le soleil à l'envers, c'est ce qu'on vous demande d'éviter. Il y a une idée de rester un peu, pas forcément en arrière, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut... Que vous soyez vous-même professionnellement au maximum, c'est-à-dire presque remettre cette reine de deniers à l'endroit, dans la productivité, dans l'honnêteté d'un travail bien fait. C'est ça la reine de deniers. Alors que à l'envers, elle a envie de s'occuper de tout. Du coup, plus personne bosse parce qu'elle fait tout. On ne sait plus déléguer. On peut se retrouver presque submergé parce qu'on a eu l'envie de tout gérer. Et lui, le patron, qui peut être une patronne aussi, en tout cas ce roi d'épée, et très étrangement, a un œil sur vous. J'ai le sentiment que c'est plutôt dans le bon sens. Si c'est pas qu'il y a un patron, c'est qu'il y a quelque chose de très prolixe professionnellement qui s'avance au-devant de vous. Si c'est pas quelqu'un qui regarde ce que vous faites ou qui est prêt à vous proposer quelque chose, je serais étonnée. Il y a vraiment l'idée de ne pas prendre en... de pas prendre en ombrage certaines choses et d'être bien conscient que même s'il y a silence et même si la communication ne se fait pas autant que vous le voulez, on voit bien ce que vous faites. On voit bien ce que vous faites et on est en train de mettre l'accent. Sur vos capacités, sur vos possibilités. Professionnellement, Gémeaux, c'est plutôt vraiment positif. C'est plutôt vraiment positif. Personnellement, on a le 6 de bâton, je vous ai dit, hein, la victoire. Le 7 de denier à l'envers, ça ne m'étonne pas par rapport à cette reine de denier à l'envers. Le 6 de bâton, c'est la victoire, les trompettes. Personnellement, vous êtes boosté. Si vous vous êtes mis à vous des objectifs, vous les passez sans aucun problème. Tout le monde est là, bravo, bien joué. Si vous avez décidé d'arrêter de fumer, vous êtes sur la bonne pente, la bonne route. Il y a ce genre de choses où on se met à soi des buts. Et là, le 6 de bâton, c'est vraiment on les atteint avec tambour et trompette. Je vous ai dit, le 7 de denier à l'envers, c'est un peu l'impatience et la frustration par rapport au fait qu'on ne voit pas les résultats que l'on espérait. Et je vous ai dit, parce que professionnellement, on voit que vous êtes capable d'en faire beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est que vous voulez briller ou si c'est que vous attendez quelque chose en particulier, mais là, on a le sentiment, ça fait deux fois, hein, on a l'idée des secrets là, et avec cette papesse à l'envers, on a aussi l'idée des secrets. On dirait que vous êtes en train de mettre quelque chose en place pour vous, et que vous aimeriez vraiment que là, ça paye. Peut-être que ce mois-ci, même s'il y a certaines arrivées évidentes avec le 6 de bâton, on a l'idée avec la papesse à l'envers. Ça m'étonne parce que elle nous parle d'intuition et à l'envers, on a beaucoup de mal à écouter notre intuition. C'est quelqu'un qui communique pas énormément et ça va être peut-être et très probablement rempli de secrets votre mois de novembre, Gémeaux. La papesse, elle n'a pas besoin de communiquer parce qu'elle sait déjà tout. C'est la haute autorité spirituelle, elle a toutes les connaissances entre l'ésotérique, le concret, le terrestre. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié et qui a la notion de toute chose et de... Et là, à l'envers, on n'est plus vraiment à l'écoute de tout ça.
On dirait que vous voulez aller droit devant avec une telle envie que vous laissez peut-être derrière vous certains de vos ressentis ce mois-ci. Alors, je peux tout à fait comprendre que quand on est dans les deux pieds dans la réalité, en train ou de bosser, que ce soit professionnellement ou de travailler sur soi, on aime voir des résultats et on aime. Mais là, on a un peu le sentiment avec ce 6 de bâton que vous commencez vraiment à augmenter de niveau, entre guillemets, et que il y a peut-être une. Il faut. Alors, je vais vous dire patience et puis continuer à passer ces étapes. Moi, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas ce que vous allez faire. Alors, c'est que vous le sentez, hein, parce que ce 7 d'épée, il a tendance à être sûr de son chemin, parce que c'est ce dont il a besoin. Mais là, vous écoutez plus votre intuition. Alors, soyez bien sûr de ce que vous voulez et de où vous allez. Si vous n'écoutez pas votre intuition, si vous décidez de laisser votre intuition de côté et de travailler que sur le concret, peaufinez votre objectif et peaufinez vos outils. On va aller voir amoureusement, Gémeaux. On a l'empereur. L'empereur, le divin masculin qui s'avance vers vous. Ouf, ah, le divin masculin. Le divin masculin, ça peut être quelqu'un avec notre cavalier de bâton au milieu. Qui va aussi vous faire travailler la passion. La passion. Alors, avec le 9 de bâton, on vous dit méfiance. Méfiance quand même. Pour mesdames Gémeaux, et il y a quelqu'un qui s'avance avec un potentiel absolu, avec cet empereur. Quelqu'un qui gère sa vie, mais le problème avec les empereurs, c'est qu'ils peuvent aussi gérer la vôtre. Alors, sachez où vous voulez mettre vos plumes. Parce que avec le cavalier de bâton, dans ce que vous devez comprendre, on a l'idée qu'il y a beaucoup de charme, qu'il y a une aura phénoménale, phénoménale, mais qu'il y a quelqu'un qui vit dans le moment présent et qui pour le moment ne voit pas le plus tard. Il y a une séduction intense et un charnel intense aussi. De notre cavalier de bâton empereur. Donc avec le 9 de bâton, il y a une idée de s'enfermer dans sa tour et de regarder en bas. Le 9 de bâton, être quand même sur vos gardes, c'est aussi persévérer. Donc je vous avouerai que quand on rencontre quelqu'un qui est empereur, pour vous messieurs, si vous rencontrez un empereur, il y a l'idée que quelque part vous allez donner les clés du château. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et pour tous, on vous dit, faites attention, 9 de bâton, on persévère dans notre avancée, dans nos actions, dans la façon dont on a mis ou commencé à mettre sa vie sur ses roues, sa vie en place. Mais quand même. On se préoccupe de ce qu'il nous reste à faire. On n'est pas du tout parti les yeux dans les yeux. Et il y a vraiment quelque chose de très concret sur continuer à faire attention, à continuer à. J'ai demandé des preuves qui me parlent depuis tout à l'heure. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. C'est beaucoup d'intensité avec ces bâtons. Vous, si vous avez construit un mur autour de vous, c'est bien pour quelque chose. On vous dit ouvrez votre porte avec grand plaisir si vous sentez qu'il y a de l'honnêteté et si vous en avez envie, bien sûr, faites-le. Restez sur vos gardes quand même, parce que beaucoup d'intensité peut brûler et puis aussi, ça dépend de ce que vous recherchez. Si c'est de l'engagement, faites attention parce que cette personne-là, pour le moment, n'est pas forcément dans cette même idée, on dira, d'engagement. Pas forcément, non. Pas forcément. Mais en tout cas, il y a quelqu'un
qui gère sa vie, qui est vraiment dans le soutien, qui peut tout entendre, qui peut tout comprendre. Il peut y avoir une très belle communication. Un empereur, homme ou femme, c'est vraiment... Alors je vais dire, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est pas forcément dans l'idée socio-culturelle de quelqu'un qui est au-dessus. C'est juste que sa vie, elle est entre guillemets réglée. Il n'y a pas de problème particulier. C'est pas quelqu'un qui arrive avec des bagages. C'est quelqu'un qui est là de son plein droit, de sa pleine envie, qui est dans la possession de tous ses moyens et qui semble posé. Posé et prêt à quelque chose. Maintenant, il faut voir ce que vous, vous voulez et à quoi vous vous attendez, si vous avez des attentes particulières. Parce que, comme je vous dis, hein, dans ce que vous, il faut comprendre que le cavalier de bâton, c'est de la spontanéité, c'est du charme, c'est quelqu'un qui veut réussir, c'est quelqu'un qui veut vous transcender, c'est quelqu'un qui veut vous amener là où il veut aller, c'est quelqu'un qui va vous dire, allez, on n'a qu'une vie, et puis en plus qui va vraiment vous montrer tous les plaisirs qu'il peut y avoir autour de ce fonctionnement-là. C'est pas forcément quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. Donc, on fait attention. Vous voyez, le 9 de bâton, il a construit son petit mur, il ouvre la porte s'il veut, mais il garde son bâton à la main. Au cas où il faudrait recadrer les choses. Voilà, Gémeaux. Mais je pense que vous êtes. Je pense que. Sincèrement, je pense que vous êtes tranquille à tous les niveaux, parce qu'avec le 7 d'épée, vous savez très bien qu'au final, vous allez faire attention à vous, à vos os. Ce mois-ci, il y a vraiment c'est même pas une surprotection, c'est un travail en solitaire pour atteindre des objectifs que vous vous êtes fixés. Et quand on a ça en carte première de où en suis-je, quand j'entre dans le mois, on a le sentiment qu'il peut rien vous arriver, vous avez l'air d'être prêt, quoi qu'il en soit. Donc voilà, Gémeaux. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Voici le tirage pour le mois de novembre, que vous le regardiez en début, en milieu, en fin de mois. Si ça correspond, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.